Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bien bonjour. Et je vous dis, c'est vendredi 1er mars 2024. Moi, c'est Jacques Lemelizer depuis Washington. Moi, content avec nous, yon l'autre fois encore. Et je souhaite nous passer un bon mois de mars. Et je pensais que février était bon avec toute sa gagne comme problème. Mais nous souhaitons que le mois de mars là a bon. Donc, nous parlons de quelques grands points qui ont dominé l'actualité. D'abord, nous connaissons un pile de blousa hier dans le pays d'Haïti. Avant d'aller dans ce qui s'est passé hier, nous allons laisser, ouais. Qui Jean Port-au-Prince levé matin. Nous gagnons dans Port-au-Prince et correspondant nous, confrère nous, Yves-Manuel. Yves-Manuel, dis-nous qui Jean Port-au-Prince levé hier après toute déblosaille qui t'a gagné. Circulation, la donne et business yo ouvert pour Dieu, notamment dans Pétionville. Mais Fondi, l'école là lui-même, et pour l'école yo fermée depuis la veille, et responsable et l'école yo était adressé et correspondance à parrain pour garder Timoun yo la caillou parce que yo pas connaît qui ça et qui t'a passé. Et pour aéroport et employé yo allé, même lorsque c'est pas tout employé, mais yo allé, gagné par exemple JetBlue et qui t'a gagné volé, qui fait voler. Donc, nous capables de dire son Port-au-Prince qui est plus ou moins calme dans le moment où nous parlons là et pour qu'on gagne trop de débats. Cependant, pendant toute soirée, il y a grand pile coup de zame qui t'a chanté, notamment dans la zone Bel Air et dans la zone Cité Soleil. Et donc, vous parlez de l'aéroport international là, vous dites que JetBlue, t'a gagné volé, l'IFEL. Est-ce que ça veut dire que l'activité a recommencé dans l'aéroport? Est-ce que vol qui était annulé, vous reprenez normalement? Vol domestique, c'est-à-dire yo sorti pour Port-au-Prince pour aller Cap Haïtien et l'autre ligne aérienne yo poko et prend décision pour reprendre travail donc assurément yo a observé toujours parce que yo été annoncé clairement yo prend décision yo annuler vol yo et c'est dans perspective pour pas mettre vie passager en danger donc yo encore dans le spectatif yo attendre et puisque Fondi qu'on sorte de peur bleue et c'est en reprise timide des activités donc comme institution et c'est lui-même qui placé pour capable justement permettre que et ligne aérienne fonctionne ou même administration ouvert porte li et donc c'est pas ça situation et JetBlue était qui un vol et domestique qui était programmé il effectuait vol ça et même pour vol international yo et ligne aérienne yo attend toujours en attendant que gagne amélioration de la situation. Emmanuel, est-ce que nous avons fait un rappel pour les amis nous et pour qui ça que vol est annulé? Bon, vol est annulé, c'est à la suite de tirs nourris qui étaient faits dans le parage à l'aéroport international. Tout ça, l'ouverture là, côté gain à l'eau. Et qui était affecté, installation aéroportuaire affectée, il y a un petit avion tout, et qui était recevoir et projectile pendant sous piste. Donc ça a créé une véritable panique à employés et même les passagers qui étaient dans l'espace aéroportuaire. Donc, décision ça, c'est à la suite des incidents qui produisent l'aéroport et qui était porté ligne aérienne pour décision pour camper sous et volio et jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que l'autorité a fait un bilan de ce qui passé hier, les policiers qui mourent, les gens qui mourent, et gagne un bilan déjà? Bon, on a parlé là, Jacqueline, pour qu'il y ait un bilan officiel. Cependant, il y a un syndicat police nationale d'Haïtien qui parlait de 4 policiers et qui perdu la vie dans l'attaque qui fait notamment contre commissariat, ce commissariat là bon repos. Il y a 4 policiers et qui mourent. Donc ça c'est bilan si pouvoir au syndicat de la police nationale d'Haïtien. Et porte-parole pour les stations d'Haïti en Galilée-Osée, beaucoup et en bail bilan, donc on compile les informations. Donc, ils sont capables de présenter un bilan à tout moment, mais dans le moment, on a parlé de la société Sinapoua qui mettait le bilan et d'ailleurs, il fait état de 4 policiers qui m'ont repris. Et vous parlez tout de commissariat ou bien commissariat sous commissariat qui t'a incendié? Justement, et c'est le cas de ce commissariat qui porte à aller au Ghana.
et ils ont mis du feu, ils ont mis du feu dans la machine qui était dans la cour et commissariat, et également et dans la zone pleine, et quoi des missions, ils ont mis du feu dans le château, ils ont non seulement rentré, mais du feu et chat et la police était en piloter, chat blindé, machine blindée, ils ont mis du feu là-dedans, donc la police qui fait un peu le pète et matériel après une journée et violence qui est enregistrée dans la capitale. Et merci Emmanuel. Merci beaucoup, Jacqueline. Donc c'était correspondant dans Port-au-Prince Yves Manuel qui était en téléphone avec nous pour dire nous plus ou moins qui j'en saillais journée jeudi dans la capitale la Port-au-Prince côté hier t'es gan pile déblosaille mais il dit nous et gagné vol domestique qui reprend mais activité toujours et paralysée dans l'aéroport international Toussaint Louverture là. Et nous allons essayer de prendre contact encore avec l'autre correspondant à nous. Massado Vilme ou en direct sur VOA. Et Massado Vilme ou en direct sur VOA. Sans qu'à dire nous sur qui j'en sais, je ne dis à n'importe quoi. Massado Vilme, allô Massado? Ah, il y a des difficultés pour nous. Massado Vilme ou en direct. Et dis-nous qui en sait à Port-au-Prince. Est-ce qu'on a dit nous, Massado Vilme, qui en sait à Port-au-Prince aujourd'hui? Ok, difficulté technique pour nous joindre Massado Vilme, mais en gros, nous connaissons qui en Port-au-Prince levé. Nous connaissons que hier, tu as un pile de blousailles, un pile de timoun, tu es obligé de voir et retourner la caillou. Et tant que Yves Manuel se dit nous, eh ben, l'école n'a pas reprendre à cause de peur que parents ont. Pour yon pa voye ti moun yo l'école et puis pour yon bagay rive yo. Et c'est comme ça que hier, te gen leader G9 la, famille aliment yon man et tout, mais qui présente le konya comme yon membre et vive ensemble, qui te rencontré ak la presse et qui fait konen que yon même yon lance yon mouvement révolutionnaire et contre système nan, contre Premier ministre Ariel Henry, qui li même trouvé au Kenya. Et Konya, et au même, il dit tout que Monsieur Barbecue, Jimmy Chérizier, dit quoi que il prend responsabilité, il prend responsabilité pour ça qui passait. Et hier là, nous allons essayer d'entrer en contact encore avec Massado Vilme. Massado Vilme, ou en direct, sous VOA Creole, dis-nous non, Massado, Koto est là, qui j'en sais? Qui est même dans vivre ensemble, qui c'est une structure qui réunit plusieurs groupes civils armés, qui n'est pas tombé et qui a continué à mobiliser jusqu'à ce qu'il y ait un bout de gouvernement qui est en place là. Je fais déclaration, il m'a dit ensemble avec tous les élèves de Colio pour être la CAIO et il présente des excuses de tout devant les citoyens qui sont victimes dans l'événement hier à Jacques-Bélizière. Mais nous sommes capables de pendant le matin hein, jusqu'à l'heure ça là et capable de constater qu'il y a plusieurs coupables qui ont chanté dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, c'est toute la situation, mais qui pas paraît même gens avec ça qui ont gagné hier. Mais comme nous avons gagné des policiers qui structurent actuellement le syndicat police nationale SPNH17, il y a même tout qui a annoncé pour prendre la rue jeudi et vendredi 1er mars. Il y a une façon pour demander avec le commandement de la police là, pour avoir un matériel pour être capable contrecarré ensemble avec le groupe civil armé. Il faut que moi, tout le monde ait réagi sur la question et l'accord que le Premier ministre Ariel Henry joue ensemble avec le président Kenya pour gagner une force multinationale pour déployer sur le territoire national. Là. Et il dit encore que qui force là, qui force pas là, et depuis que vous finissez pour être capable de contrecarrer ensemble avec le président, c'est moun, c'est innocent, vous m'avez traité de vous-même. Yon campé, yon prend disposition pour yon contrecarrer yon ensemble avec la force multinationale qui a gagné pour entrer en tant que pays. Ok, merci Massado. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Donc, et si je comprends bien, Jimmy Chérizier, yon l'autre fois encore, tant qu'hier, il fait une conférence côté journaliste là et que lui-même il dit que la continue mobilisation. Non? Oui, justement. Sinon, si vous avez quelque chose à ajouter, par contre, vous avez une question ordonnée. Je vois que c'est un volontaire sous assassinat de président Jovenel Moïse, toujours dans l'actualité.
et dans une interview que nous avons gagnée ensemble avec le directeur général et la parole de Pierre Espérance, lui-même tout réagit sur le dossier ça, lui dit que lui sentit que l'ordonnance a une faiblesse à même par rapport avec les détails qui manquent dans l'ordonnance. Ça veut dire que pour lui-même, juge à que nous avons dans l'ordonnance là, moun qui finance et assassinat qui ont pas juge à parler de ce détail ça yo, et dit juge à tout dans l'ordonnance là, juge à pas dit pour qui ça que yo assassiné président Jovenel Moïse. Mais toutefois, lui dit que lui stagé ordonnance puisque moun qui est qu'il fait en ordonnance c'est tout le monde ça qui est doué et qu'il fait en ordonnance là, il parle tout gain madame Cole qui parle en ordonnance là, il dit pas comme si qu'il pas ordonnance parle pour chef de rien gain chef de bataille en tout temps. Et reprocher de rien. Mais il faut que nous disions, la situation jusqu'à présent, Jacques Elisée, elle était très tendue. Il faut que nous disions, hier, dans l'attaque, il y a plusieurs personnes qui sont victimes. L'hôpital général, qui est reçu, il y a des citoyens dans la population civile qui sont victimes. Il y a plus de 4 policiers qui perdent la vie. Parmi eux, il y a un inspecteur de police, avec 2 policiers femmes. Dans l'attaque civile avait fait sous un commissariat dans le repos. Comme nous voulons, la police a perdu tout l'ordre des commissariats au niveau de Portail-Rogat. Et il y a tout, et le ministère de l'Agriculture qui vient là-dedans, la faculté agronomique et cours civil avait eux-mêmes, ils ont rentré là-dedans, ils ont oublié. Donc, c'est pour sa situation, lui-même, lié jusqu'à présent, j'ai fait le ministère dans la capitale haïtienne. Ok, merci, Massado Vilmé. Massado Vilmé, c'est correspondant dans Port-au-Prince, donc nous sommes bien. Et deux rallies là avec deux correspondants. Premièrement, Yves Manuel, dans Port-au-Prince, avec Massado Vilmé, qui est dans Port-au-Prince, lui-même qui saute faire une interview là avec Pierre Espérance, qui est directeur exécutif RNDDH, Réseau National Défense Droit Moun, dans le pays d'Haïti, qui réagit sous ordonnance juge Walter Wisser Voltaire là. Et l'autre réaction, encore, c'est réaction Jimmy Chevizier par rapport à. Et force multinationale qui vient pour entrer dans le pays d'Haïti. Donc, en gros, c'est gens sa situation est dans le pays d'Haïti et dans la réaction tout par rapport à que, eh ben, à quoi ça, faut dire que Kenya avec Haïti, ils ont officiellement, eh ben, signé un accord pour déploiement 1000 policiers kenyans dans le pays d'Haïti. Donc, c'est et Premier ministre Ariel Henry qui était là et William Ruto qui c'est président Kenya qui était là. Donc ministre affaires étrangères, ministre et intérieur de pays yo, en parlant de Kithure Kindiki pour Kenya avec James Kader pour Haïti, c'est yo qui posait signature en bas et document ça qui était fait dans State House dans Nairobi dans pays Kenya. Donc, Premier ministre Ariel Henry a tout participé tout dans un sommet sous environnement. Donc, là, après, il a participé dans le 46e et sommet Caraïbes, là, côté que il a tout annoncé que d'ici 31 août 2025, a bien élection dans le pays, ça qui a provoqué en pile réaction dans le pays d'Haïti. Donc, en gros, c'est ça concernant le pays d'Haïti. Donc, pas oublier, à 4 étapes, à 12h30 d'abord avec Serge Rodriguez et puis. À 4h après-midi, on a gagné l'autre développement sur l'actualité concernant le pays d'Haïti. Et puis, dans l'autre point, dans l'actualité concernant les États-Unis, par exemple, nous connaissons que 2024, là, ici aux États-Unis, c'est à une année électorale. Et les gens qui ont analysé dit qu'il y a une pile possibilité pour gagner l'autre choc encore entre le président démocrate Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump. Et il arrive que tous les deux étaient sous frontière hier, sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. D'abord, il y a le président Joe Biden qui était dans Brownsville et ancien président républicain Donald Trump, lui-même qui était dans Eagle Pass. Tous les deux, ils ont shooté sous l'autre, ils ont critiqué l'autre. Et premièrement, il y a le président Joe Biden qui dit que au lieu pour Donald Trump, a bloqué accord qui t'a de fait bilatéral qui t'a de fait dans le Congrès et pour qui ça ne pas venir pour coller tête ensemble avec pour capable résoudre questions frontières qui sont problèmes nationaux. Et Donald Trump bon côté parle il parlait de Joe Biden comme président qui est incapable dans toute l'histoire des États-Unis donc il frappait en pile sous l'autre président. Donc c'est déjà une idée de ça
ka pase nan fin ane la bozon octobre novembre yo parce que élection gen pou fèt le 5 novembre 2024 donc ane sa. Donc plus ou moins choc ça, yon choc que m'ta kap di, yon choc à distance qui t'est fait mais yo chaque la des paroles piment bouk sou lot. Et puis l'autre point dans actualité a demain nous connaît que guerre Israël Hamas la a continué, chiffre yo continue a monter pendant que gampil et pays puissance occidentale k'ap essayer ouais si on t'a ka joine yon trêve mais attaque yo continue à fait sous Gaza et dans Gaza nord même c'est tête chargée avec attaque et Israël et a fait sous Hamas et donc et puis yon l'autre point encore concernant Donald Trump qui toujours dans actualité a toujours dans actualité a surtout avec plusieurs procès donc Trump dans tribunal dans Miami et yo repoussé date jugement à cause et pour yo continue dans tribunal là c'est pour essayer et repousser date jugement qui gain rapport avec document classified document ça veut dire la parler de document et secret que te joine et la caille. Et puis toujours dans international là gagné jodia c'est funérailles et Navalny jodia Alexei Navalny c'était plus gros opposant numéro 1 président russe Vladimir Poutine funérailles chanté jodia te grand pile cause qui t'ai parlé avant funérailles là notamment gagné et Ludmila Navalnaya qui c'est maman Alexei Navalny et yo te mande pou te fè yon funérailles en secret c'est ça autorité ou t'a mandé autorité Moscou yo gen Yulia Navalnaya qui c'est madame Alexei qui te dit que eh ben lui-même il déclare carrément que c'est Poutine qui touye Maril et te gen paquet ligne bien long qui t'a fait devant l'église que l'église icône de la mère de Dieu nan et Moscou ligne bien long des milliers de monde qui t'est venu rendre dernier hommage à Alexei Navalny faut dire Dimitri Peskov lui-même qui c'est porte-parole et président Vladimir Poutine et ben il dit que toute manifestation qui pas une autorisation pas doit faite et il a prend toute mesure contre monde qui t'a violé et communiqué ça qui dit que mon manifestation qui pas une autorisation pas doit faite donc c'est comme ça et situation et donc en gros c'est ça nous praloué pita dans midi 30 avec Serge Rodriguez dans sac passé Haïti et puis à 4h de l'après-midi n'a gagné l'autre développement sur qui j'en sais rien dans pays d'Haïti dans pays d'Haïti on dit nous surtout dans Port-au-Prince dit nous ça calme mais nous pas connaît qui ça client ça va aller pour plus devant surtout avec les syndicats police qui dit que a sorti avec et barbecue qui dit que a continuer mobilisation jusqu'à ce que joigne bout système jusqu'à ce que joigne bout gouvernement donc nous même n'attend n'a pour merci d'être côté branché dans moment ça. Merci pour le support et gentil Augustin Junior. Et nous connaissons Jean-Aubert Bala. Donc, nous faisons un ticket pour les tout petits. Bien que les vendredis, nous connaissons en général. Nous toujours gagnons en live. Mais pendant la semaine, Jean-Aubert n'est pas là. Et moi-même, j'étais très occupé. Il était difficile. Et puis, il y a l'autre réaction tout qui continue à tomber sous ordonnance juge Walter Wisser Voltaire. Là, qui a même en pile réaction. Continue à tomber gagner Pierre Espérance qui réagit et souligne et demande pour qui ça va pas non madame Kok pour qui ça va pas qui raison qui fait tuer le président Jovenel Moïse. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, passez une bonne journée et pas oublier nous gagner deux rendez-vous midi 30 avec Serge Rodriguez dans sac passé Haïti et puis après-midi à 4h rendez-vous info. Bonsoir tout le monde.